عنديش وانا شهر حتى الشهر متعرفش ايه احنا اليوم 14 جانفي. دابخي توا اش صار في 14 جانفي؟ دابخي توا جو سي با مو نهار 14 جانفي صارت الثورة التونسية باش معناها ولا نو؟ با نو الثورة هما beaucoup de personnes qui se révoltent pour acquérir un nouveau régime politique. Non mais c'est quoi toutes ces bizarreries, moi? Pourquoi tu me parles comme ça? Moi, qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas d'accord. Franchement. D'accord. Donc, je vais te réexpliquer avec des mots un peu plus faciles. Donc, la révolution. C'est un groupe, un ensemble de personnes qui font tout, qui crient, qui sautent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à un but précis. Dans la révolution tunisienne, le but, c'est que le président Ben Ali parte. Pourquoi? Parce que le président Ben Ali, il volait beaucoup de terres du pays et sa femme aussi volait beaucoup d'argent de Donc voler d'argent, ça veut dire les mains coupées et l'enfer. C'est ça en fait la suite du livre. Si tu veux, on peut dire ça. D'accord. Ok. Donc, Ben Ali, c'était quelqu'un de pas très très bien. Il faisait des trucs qu'on ne doit pas faire, nous. Nous, en tant que personnes respectables, on doit respecter les gens aussi et on ne doit pas faire ça. Donc, Ben Ali, une fois que la République tunisienne a révolté contre Ben Ali, il est parti. Ma'atch, le moqt ma'atch, mais ce n'est pas la vie. Hatta oui, c'est la fouche. Femme ni.